Bienvenue na émission na biso bonzambe bonzambe zale sika o to betaka masolo ya nzambe a to kumisara nkolo parce que yende a mérité nyonso. Première édition to première émission depuis na komi nouveau marié hein o za première émission azo sala na qualité ya marié. En tout cas to seigne merci beaucoup na Saint Jésus-Christ o accompagner ki biso dira ba cérémonie nyonso lelo yo to changer état. Tu es sous célibataire, tu es marié, donc Saint-Esprit. Et orienté à travers vos prières, tu es qui dans Ngomba, après Ngomba, tu es célibataire, après Libala. Tu es un peu comme ça, pour nous servir, pour nous servir encore autrement. Lélo, on a invité Nangaï, on a invité Nangaï, frère Michael Maïa, Mania, Azali chantre, on a chantre Mounene, à faire découvrir Bissot. Album ne yasika outi ko bimisa récemment awa ezo beta en makasi zan impact yemoko a repé sa biso chaîne na YouTube et puis pour yo pende ko zana ba problème mais solutionner ko outa nanzela lo yembona ndeko mbote ah na moni en forme très en forme par la grâce journée en lobby to yebi ki olala ki na veye o yeba ki trop mais lo sali moi en fort o ya vraiment ko répondre à mission na biso c'est le biso plaisir makasi. Et c'est partagé. Et les gars qui n'ont félicitations d'abord pour la monnaie. Yes. Ouais. Merci beaucoup. Okay. Ouais, et l'équipe bien. Ngolo, Isala, Kiwana, Nzambaza, Kiwana, rendez-vous. Vraiment. Batbakoué, voilà. Aki. En fait, c'était une veillée de prière, mais en ligne. Il y avait des gens dans le salon, mais Tobando priait plus là-bas en ligne. Donc, des moments de prière en ligne avec le prophète Alan Kiriakou. Et voilà. Et à part son programme, j'avais un autre programme la même nuit, ce qui a fait que même ma façon de parler là, vous pouvez comprendre. Je vois, tu es l'air d'une personne qui est vraiment fatiguée. Tous les jours, c'est le travail, on est comme ça. Ah, ok. Sinon, à part ça, bête l'absence du solo, ma musique au banane, ni ne sala qui est comment, quoi yembe l'ankolo. Au fait, Elo et Salina bando yembe l'anzambe, penza raison. Propulse nazo na koyé ba penza ko définir en côté parce que je suis né na famille ya batu oyo bazo ça il a déjà nzambe une famille chrétienne alors déjà en venant au monde et jusqu'à l'âge de la raison na trouvé déjà yanga bandeko bosonanga maman nanga déjà en train de servir le Seigneur et ba onion so bazaki déjà na bah, département, il y a chorale et tout. Oui. Et du coup, c'était ça. Et jusqu'à ce que je puisse poser pour la première fois ma voix en 2008. C'était par quelle occasion? C'était à l'occasion, bon, je dirais, c'était une église. Hein. Oui. On m'a invité, j'ai répondu à l'invitation, je suis allé et j'ai posé ma voix. Quand j'étais déposé, c'est la première fois. Naimbina ba instrument sur... la note musicale et c'est là que je suis parti. En 2008. Oui, en 2008. Mais est-ce que Ezaki na ministère génération Joël toujours toi qui na 2008, j'étais à une église parce que on habitait avec les parents bah on va déménager qui batika inga na koko avec la grand-mère. Oui. Alors j'étais avec elle et puis comme je partais plus à l'église, vu que les parents n'étaient plus avec moi. Et ça, là, il y a que une sœur a invité Nga. Neska n'a répondu à qui comme invitation après l'église. Oh, bah, invité Nga, le concurrent pour Christ de la bande. C'est ta fiancée ou... Quand je parle d'une sœur, c'est d'ailleurs une grande sœur. Vraiment. C'est une grande sœur que j'ai salue, la sœur Natacha Niankoura, qui présentement habite aux États-Unis. Au essayer quoi, Yemba. Bon, déjà. Une première fois de poser la voix et du coup Nati Kalaki. Une nouvelle vie. Ah, une nouvelle vie a commencé là. Oui, madame Miko. Oui, madame Miko. Au début. Accompagné et tout. Où tu voyais comment au début? Ah, c'était
comme un rêve qui, puisque avant, quand j'étais, je dirais pas inconscient, mais dans Owemba na bakoral, Oezaki na ba, je rêvais déjà ça. Après, ma chorale, je sais pas, ça s'appelle chorale vocale. Oui, chorale vocale. Le voix juste. Dijan, Biko. Bah oui, que j'ai salué aussi. Alors, né au long de la style, on a ce qu'on aime, on a guitare, on a guitare. Ce qu'on va bêter, on va bêter, ce qu'on va bêter. C'est bien, c'est inexplicable. Vraiment. Voilà. C'est, bon, au fait, c'est une façon de se sentir dans sa peau. Vraiment. Mm-hmm. Et, après, Et après, au fil de temps, j'ai fait beaucoup d'années à l'église. J'habitais même à la permanence. Et j'ai appris aussi, parce que vous demandez, je parle de moi. Oui. Ouais, j'ai appris à jouer aux instruments là-bas. Ah bon? Et voilà, j'ai commencé à chanter. Et plus tard, je deviendrai directeur technique de la chorale. Et puis, plus tard, je vais commencer maintenant à fréquenter aussi la génération Joël. Je souligne, c'était l'église était le concurrent pour Christ et la génération Joël était un ministère. L'église, on priait les jours impairs. La génération Joël, c'était aussi les jours impairs, mais on prend juste lundi. Lundi et jeudi à la génération Joël, jeudi qui n'est pas jour impair. Donc tu combinais les deux. Oui, j'ai combiné parce que. Mais en tout cas, il n'y avait pas genre au sentir net déséquilibre, oui. Puisque ça ne coïncidait pas. Voilà, et puis oui. Parlons des jours impairs, il y a lundi dans l'église, ils allaient répétition, ils allaient culte. Voilà. Okay. Donc je partais au culte. J'en ai quoi empêché au thé qui a évolué. Bon, moi je dirais pas vraiment, mais plus tard, ça va un peu, voyez-vous, ça va un peu faire des bouches à l'oreille. Michael fréquente ici, Michael est là-bas et tout. Oui. Mais ça crée des désagréments apparemment. Ouais, bon, ça a toujours arrivé. Hein. Oui. Et puis. On a pu gérer ça. Vraiment. Ouais. Sinon, il y avait aussi des difficultés ou... Oui, effectivement, il y avait des difficultés parce que plus tard, ça va arriver que je puisse me rejoindre, en fait, le parent. Ce qui a fait aussi, il y a eu un peu des cassures. Ouais, ouais. Des cassures et l'église était distante. Vraiment. Et c'était compliqué. Est-ce que maintenant, là où Kendaki... Tu faisais comment pour contenir toujours cet esprit-là? Là où je suis parti, je n'arrivais plus à m'adapter. Parce que je suis rentré où j'étais avant. Parce que tu vois, vous, le chorale vocal, tu viens d'une chorale où on te joue la guitare. C'est normal, mon étranger, mon fan de Gaboy, mon bambunda. Je n'arrivais vraiment plus à m'adapter. Et par moment, j'ai eu à faire le pied. Donc, puisque les parents étaient maintenant à la commune de Barumbu, moi, je faisais le pied de Barumbu à Pigeon. Waouh! Non. Je suis Nabika, je suis martyr, je suis martyr, je suis RTNC, je suis là, il y a Selemba, je suis à côté de la prison, Nakoma Selemba ou Nakoti Kat Nakati Maima Buana Mati Nakibi Mawata la Luna se Namati la Lu Nabandozwa Amina Mawana Francine Paka que je salue Nazuana Preto Mati Pigeon Toki répétition. C'était pas facile. Ouais, c'est non, en tout cas, c'était pas facile. Mais en tout cas, je le faisais avec joie. Je prie même que le Seigneur me donne cette joie là d'avant, mais c'est pas pour faire le pied. Hein. Vraiment. Bon, en fait, ceux qui te comprendraient bien, Isaac, il y a fort, il y a un peu de temps pour présenter Bissot. Oui, il y a fort, il y a juste la soif d'abord, première, de servir le Seigneur et qui a créé tout ça. Aujourd'hui, maintenant, je me suis dans mes côtes ici, dans Kati. Et comment vit Nayo? Oui, c'est ma vie. Et donc, et le mot sacrifice, mais comment est-ce qu'on vit, donc comment trouver un mot normal? Ouais, parce qu'au début, il y a des sacrifices. Même s'il faut continuer toujours à faire des sacrifices, on le fera. Oui, oui. Ouais. Non, au début, il y a des sacrifices parce qu'il y a des vies. Tant au côté, au commissaire, il y a des vies. Et puis, pour s'améliorer. Donc, c'est un peu ça. Mais la bonne nouvelle, nous mettons les bisous. La bonne nouvelle, c'est que, premièrement, Jésus vous aime. Et puis, la nouvelle est que j'ai lancé un maxi single depuis le mois d'octobre l'année passée. Alors, c'était sur les plateformes de téléchargement en audio seulement. Et
Les titres, je viens. Les chansons, c'est... Les titres, un maxi single de 4 titres, Je vais marcher. D'abord intitulé Je vais marcher. Je vais marcher. Ta présence, vous trouverez Le Pilier et vous trouverez aussi Hosanna. 4 titres déjà disponibles sur toutes les plateformes. Mais je clippais un seul titre, c'est Ta présence, qui est déjà disponible il y a cela 2 semaines sur ma chaîne YouTube Michael Mania TV. Alors si vous tapez, vous trouverez Ta présence. Est-ce que en détail au cours des télé biso ta présence malobanie en 4 parce que mon tout peut azui chance wanate a qui ko comprendre en haut à travers et puis au possible sur en droit nini au mon tout ko récupérer vidéo en a. OK. Ta présence c'est comme je disais l'un des titres tirés de la maxi single Je vais marcher. Ta présence donc vous savez oui que présence en Zambe eza c'est au fait l'adresse par laquelle nous trouvons tout. Je ne parle pas de la présence de Dieu pour en profiter de quelque chose, mais je parle de la présence de Dieu comme carburant de la vie de l'homme. Parce que sans Dieu, c'est très compliqué de vivre. Et nous existons parce qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à nous, qui nous donne cette énergie et qui fait de nous ce que nous sommes. Puisque ici, cela n'arrivera pas. Sans pour autant payer quelque chose, c'est la grâce. Et imaginons, il suffit que Nzambuana a l'obligation à Tiki Binoto, existence naïe, et sous karaté. Mais imaginons qu'il y a sous Kika Abunabisonioso. Donc, ils ont la topale, Nanzela, Moko, Arbitre, Sifle, Bapé, Magnos, et Kema, Mounios et Baby. Parce que nous tirons notre énergie de cette présence. Et David, Moïse est en train de dire, ne nous fais pas déplacer d'ici si tu ne marches pas avec nous toi-même. J'aimerais juste frotter un peu sur Je vais marcher. J'ai reçu le maxi single parce que je suis en train de faire un album. Mais à un moment, le Seigneur va me mettre à cœur de faire un maxi single. Je vais marcher. Pourquoi? Parce que le monde était arrivé à un moment très compliqué. Jusqu'à présent, même nous traversons ces moments de la COVID qui est venu. Le confinement. Oui, le confinement. Et il y a eu beaucoup de messages qui sont sortis. Et d'autres disaient même que c'était la fin. Alors, moi, le Seigneur est venu me dire marche. Parce qu'il m'a montré l'image des fils d'Israël face à la mer Rouge. Ils savaient plus quoi faire. Mais le Seigneur va leur dire de marcher. Comme face au Jourdain, c'était aussi le cas, il fallait que les sacrificateurs... Dieu a pourvu, Dieu a fait un miracle, il a opéré ce qui était au-delà de l'entendement humain. Alors, c'est par là que Dieu va me dire « marche ». Alors, c'est par là aussi que je veux déclarer « je vais marcher » malgré la COVID, dans la tempête, dans les déserts, dans le feu, dans je ne sais pas quoi, je vais marcher. Dans la vallée de l'ombre, je vais marcher. Et c'est là que on marche avec la présence de Dieu, parce que Dieu est le pilier. Et lorsqu'on marche, on chante Hosanna. Donc là, tu dis aussi à quelqu'un qui pensait que sa vie est arrêtée, de marcher. Oui, comme le fils d'Israël, ils étaient arrêtés quelque part, ils n'arrivaient plus à marcher. Et parce qu'il y avait la mer Rouge, mais Dieu avait opéré un miracle. C'est lorsqu'on pose un pas que le chemin est frayé. Yo, ma sœur, vous allez colander biso, ma camionneuse, vous allez freiner, frère Michael, biso, il faut marcher, il ne faut pas s'arrêter, tambola parce que quand on court, la présence en Zambie, vous allez au tambola, Dieu pouvoir. Oui, parce que David dit même quand je traverse la vallée de l'ombre de quoi, de la mort, ce n'est pas pour s'asseoir, il ne dit pas quand je reste, c'est quand je traverse. Je traverse. Donc il continue sa marche, même dans la souffrance, toi qui me suis, marche. Voilà. Vraiment. Est-ce que l'album, single, n'est pas sur la plateforme? Ok, sur toutes les plateformes, Deezer, iTunes, Spotify, tout vous trouverez, sauf YouTube, parce que sur YouTube, vous trouverez que des titres jusque-là, j'ai lancé Ta présence que j'ai clippé. Et j'ai lancé aussi Le Pilier que vous allez trouver sur ma chaîne Michael Mania TV. Officiel. TV. Donc, c'est Michael Mania. Ah, TV. Tu n'as pas encore une chaîne officielle. Au fait, c'est une chaîne officielle, mais juste on n'a pas mentionné officiel. Ouais, on a écrit juste TV à la fin. Ok, mais souvent tout le monde a qu'à bah chanter tout, bobanda qu'à chanter, mais après un moment on a Nzambe, après c'est un message. Comme un pasteur. Non, c'est vraiment un prophète.
nous évangélisons. Non, on a pas ça, gaga. Évangélisation. Pour na côté à battre na bus na banzela mais non ça nous existe mais après tout le monde a qui bossu kakaka na voiture que ça l'église c'est dû à quoi? Bon, c'est dû à quoi? Je dirais c'est dû au fait que les gens reçoivent l'appel de Dieu et voilà, puisque mais, celui qui n'est pas appelé ne peut pas le faire. Mais qu'est-ce qui fait que banan ko yemba tant que na ma battu na ko En tout cas, il faut comprendre une chose. La Bible dit dans Joël que au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mon esprit sur toute chair. Donc ça, c'est une génération où quand même, lorsqu'on voit les jeunes gens, il faut comprendre qu'on est vers la fin. Mais bon, ça, c'est les jeunes gens. On parle en général puisqu'il y a aussi les vieux qui commencent à chanter puis qui se retrouvent musiciens. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas à dire là-dessus, hein, mais je pense que c'est Dieu qui appelle les gens et qui les qualifie. Ce mais ceux qui est arrivé là, au pays, au regard de l'église, n'a pas bonné depuis plusieurs années. Non, le bâté qui est ceux qui est arrivé là. Admettons. Même si on appliquait le mot au Ebisinga, mais j'aimerais les dire hein, sans garder ou sans. Plusieurs fois, je sers déjà le Seigneur et je prêche. Voyez-vous, je prêche et je sais. Créer une église. Bon, créer une église comme aujourd'hui la nuit, on m'a donné un message comme ça. Moni, donc nabotami na ideo anate. Donc on m'a donné un message comme ça. Le Saint-Esprit souffle. Le Saint-Esprit personnellement na ebisinga le roté. Moni, ba pesa nga message andengwana, ba pesa kanga ba message andengwana, ba prophète ebélé. Moni, je te vois. Tu vas conduire les gens. Je te vois net il est long de ba ebisinga clairement que je t'ai vu conduire une église. Je ne sais pas mon église ou l'église de la vision d'une autre personne qui a reçu de Dieu. Mais est-ce que toi-même peux aujourd'hui déjà tant yako ça la science y a ma prière pour Nzambe à confirmer message où il m'en a la bac déjà? Non, on a prié là en côté parce que vous en avez prêté. Et puis je ne suis pas prêt parce que Nzambe nanu a ebisinga personnellement et puis soka ebisinga a opé sangai ce qui va marcher avec ma vision. Mais quand on coloba tout à l'heure à Kenzambe à ça la tantôt d'une manière tantôt d'une autre Kenzambe l'obéit à travers ma serviteur naï. Non mais bon battre serviteur ba pesingai précision ba alliance au fait vous savez quand Dieu appelle quelqu'un l'alliance ne passe pas par intermédiaire. Donc et si il arrivait que je suis dans l'office auquel Dieu m'a appelé n'a rencontré problème nous rappeler Nzambe ndenge nini olobai na munoka ba ça il n'ose bien mais l'alliance voyez-vous donc dans l'alliance il y a le droit c'est que moi je suis c'est que Dieu est je ne dirais pas est obligé mais c'est que Dieu fait quand moi je fais aussi ma part voyez-vous ça c'est dans l'alliance alors il y a le droit et les devoirs donc moi je suis obligé de faire ce qu'il me dit c'est comme ça il dit quand si tu obéis voici ce qui arrivera. Si tu fais ceci, voici ce qui arrive. Ça, c'est l'alliance. Tant que donc ça sera très compliqué de me lancer. Mais je souligne que par moment, j'organise des matinées de prière. Ça commence déjà. Donc, j'organise des matinées de prière où on vient dans on une prie. Cellule. Non, pas une cellule, dans des salles ou soit dans des moments ça, de prière. Mais ça fait très longtemps, depuis que j'ai commencé le projet de Je vais marcher. Après déjà une année, quelques mois que je n'ai plus. Donc, vision, ils ont dit je vais marcher et puis. Vision, ils en ont rara. Je vais marcher et ça, maxi single. Oui, oui. Mais je parle de mes activités. Oui, c'est donc, ça. Je parle c'est de ça. Moi, j'active, j'organise par moment. Par moment. Alors, ça fait déjà une année, quelques mois que je n'ai pas organisé faute de temps et de. Non, bah, Covid, bah, confinement. Ouais. Et puis, ils ont la paix sur une zambe, penda et bisio, organiser une dosa. Ah, mais, au groupe, peut commander ça à travers chaîne. YouTube, vous avez une possibilité maintenant. Oui, mais pourquoi pas? Déjà, j'ai fait par moment des jours impairs, Nazala Mingi. Vous pouvez faire le programme au Nazala Mingi, des jours impairs,
sur Facebook. De quelle heure, quelle heure? De, à partir de 22h. Olobela basi jeni. Nyonso, oh nzamba opesanga comme thème, je parle. Parce que si nabi olobela basi jeni, je parle d'un sujet et puis je prie avec les gens. En fait, je fais des cultes de prière en ligne très souvent les jours impairs. Donc je ne précise pas que au mercredi on est allé en ligne, au vendredi on est en ligne. Donc ils allera ce qui nzamba mettre à cœur vendredi annoncer peut-être 2-3 heures avant. Après je me donc ceux qui ne comprendront donc au sein des déjà église non virtuelle donc petit quelqu'un là ou comme ça en physique en tout cas au lundi point il y a église Makas bon tout ça au Kouboni. Ben oui, tant que vous êtes déjà au partenariat en ligne, donc c'est une église virtuelle, c'est ça? Bon, je ne dirais pas église virtuelle, je fais des cultes. Parce qu'au début, nous avons fait un bon travail, Facebook c'est satanique. Bisous banane. Il y a un travail. Bon, lorsque moi je parle il y a ça dans mes nazo généralisé. Parce qu'on a encore répondu à quoi généralisé. On a ébi singa muta lobaki, to ébi singa na lobaki. Bon, je sais pas répondre à des les ondits. Frère, tous ans nous retournons avant de chiter to comme on a souka. Ok. Nzambe na muto, na na luka muninga. Nzambe na mutu na luka muninga. Na luka moko. Bon, Dieu appelle les gens et les hommes sont dans l'obligation parce que la présence de Dieu est indispensable. On dit donc au vivre sans Nzambe. Donc Nzambe na luka bato. Nzambe na bato belé, bato nyonso bazaya ye. Moni. La Bible dit que ce qu'il a appelé d'avance, il les a prédestinés. Ce qu'il a choisi, il les a appelés, prédestinés, justifiés même. Et puis pour la finalité, c'est quoi? Il les a glorifiés. Donc, koloba kolu kaponza mbazana bango déjà. Moni biso, la Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Donc, Aza déjà wana mais bisonde. Non, mais franchement, ta question est très compliquée. Nani alukaramutu. Nani alukaramutu. Oui. Nzambe. Nani alukaramuninga entre les deux. Ah, mon Nzambe na mutu. Ah, moi, je dirais que mutu nda na posa Nzambe makasi. Est-ce que David mutalukaki Nzambe tu Nzambe mutalukaki David? Waniza ki volonté à peuple basé na posa roi. Et puis Nzambe apesi bango et Esaou et plus Saoul plutôt, excusez-moi. Et puis plus tard Nzambe sikoyo na posa o batu bazaki na bango na posa o batu bazaki nango Nzambe posa la chouana. Mais avant de clôturer, je dirais aux gens d'aller visiter Tokumisa qui bénit beaucoup de gens aujourd'hui. Et c'est sur Zaza communication, vous allez trouver la vidéo de Tokumisa le medley que je chantais là-bas. Et puis j'aimerais aussi annoncer avant de clôturer, puisque vous voulez clôturer, oui. Annoncer aussi que nous serons au mois d'août, en mi-août, au Katanga. Oui. Alors au Katanga pour une manifestation. Oui, pour une manifestation et pour une tournée aussi. Ah. Alors je tiens à faire un appel à tous les hommes de Dieu qui voudront que nous puissions travailler là-bas, de nous contacter. Oui, avec quel numéro? Avec plus de 143 82 68 88 0 43. Je reprends plus de 143 82 68 88 plus de 143. Donc il y a toutie limite, hein, il y a un nombre de prestations. Okay. Alors soyez ba bengi biso le plus tôt pour toi ba programme. Toi, il va programmer de sorte que tu osas déborder. Fitir, l'homme de Dieu. Je le suis déjà, pas Fitir. Ah, je suis homme de Dieu. L'homme de Dieu déjà. Comme vous êtes homme de Dieu. L'homme de Dieu, tout ce qu'il y a au moins 2 minutes, où tu es à Bandeko, où tu as des difficultés, où tu n'as pas si pendant Covid, où tu as confinement, où tu as des matins, où tu as des matins. Alors, la Bible dit que même quand je traverse dans le feu, cela ne me consumera pas. Quand je traverse dans les eaux, cela ne me submergera pas. Quand je traverse dans la tempête, je ne serai pas emporté.
Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu est avec vous. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu traverses ou tu as l'impression que tout semble être noir et que tu ne vois pas ta destinée, ezo beba karabo et ezo moyanet ezo beba. Mais j'aimerais te dire que pour qu'il pleuve, le ciel doit d'abord noircir. Donc il y a toujours des bruits qui annoncent la pluie. Comme dans les douleurs d'enfantement, il y a toujours des douleurs qui précèdent la joie. Alors je t'annonce ce que tu traverses. Et le Seigneur est capable de te donner la joie, mais en passant par ta souffrance. Voilà. Merci beaucoup. Tu sais, c'est une bonne émission. Merci.